Hop, le HHC là-bas. Et donc il y a une console quelque part. Ah oui, là normalement, je crois. Ah, peut-être là. Non, c'est pas un ordinateur ça. Ah si, peut-être bien. Oula, 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 oula. Détends-toi. Voilà. Alors. Oui, ah oui, bah voilà, ils ont raison. Grande, grande, 28 000 UEC, le AA, 28 000 UEC. Et là, on n'est pas dans la location. Hein. Et D'accord. effectivement, juste merci Sisoun, c'est bien devant le prospecteur. Et donc, non, non, vous voyez, et il est pas très cher, en toute honnêteté. Ils sont pas très chers. Cool. La version Grand Combat, elle est à 28 085. Grand Exploration, bah ils sont tous à 28 085 en fait, hein, quelle que soit la version. Donc ça, sur le coup, c'est pas dégueulasse. Hein. 28 000, c'est tout? Ouais, c'est, je suis surpris du prix en fait. Ah bah Bah, d'où attends. les 500 UEC pour le louer pour 24 heures, parce que s'il vaut 28 000, le bousin. Alors qu'est-ce qu'on peut acheter du coup, Hearthstone? On va prendre 2 minutes pour regarder ça. Hein. Un Aurora, ça coûte 480. Alors, on peut pas acheter le Ballista, par contre, ici, hein, a priori. Je sais pas si on peut l'acheter in-game, le Ballista, au passage. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter de beau? Robert Space Industries, bon, bah, les Aurora, hein, le classique. Le Constellation Phoenix, à 5 680 000 UEC. C'est pas si cher que ça. Ouais, quand même, ça commence là. Ouais, C'est quand même. le AA à 80 euros, c'est vrai que tu te dis, vaut mieux l'acheter in-game quand même. Parce que 28 000 UEC, franchement, à être récent le Ballista, hein, Kiri, ouais, c'est ce que je me disais aussi. Hein. Après, c'est marrant le Ballista, j'avoue, j'aime beaucoup le côté, t'es sur un camion lance-missile. Hein. Il est marrant. Hein. Et c'est vrai que quand tu dis 80 euros, alors que il va, bah après, bon, c'est peut-être pas les prix définitifs, mais 28 000 UEC, par contre, in-game, là, c'est complètement atteignable. Donc le tu passes sur un Aquila à 4 millions 9. Bon là ça commence à piquer un peu plus. Oh le Ursa il est là et il est à 70 000 UEC. Il est marrant. Bah ouais d'ailleurs les gars tout à l'heure vu qu'on est parti pour faire des conneries ce soir. Le M50 Interceptor, voilà le fameux Competition, il est à 1 million d'UEC. Le Cyclone AA, ouais il est là, hein. Il est ici et il est anti-aérien, hein. C'est pour anti-aérien. 28 085 et le Grand Combat, c'est celui-là qui fait du sol-sol, je crois qu'elle est mitrailleuse. Et par contre, les autres, c'est juste, ils ont pas de gun. Alors qu'est-ce que c'est le compte Sadie Outland? Ah ouais, les Mustangs, bah personne les recommande. Hein. Pour commencer, il vaut mieux prendre un Titan, si c'était pour faire un choix. Et d'ailleurs, en parlant de ça, combien coûte le Titan? Ah quand même, 785 000 UEC. Ça pique un peu hein, le Titan. Hein. Oui. Ah, je le trouve cher. Pour commencer, ouais. Après, on commence soit sur un Aurora, soit sur un Mustang, mais le Titan, ouais, c'est vrai que cher os. Ah bah ouais, si t'es pour... enfin moi je recommande vraiment le Titan comme truc pour commencer quoi, c'est un bon Ouais. compromis quoi. Ouais. L'Eclipse, il est à 3 millions 4, tu vois, je m'attendais à ce qu'il soit bien plus cher. Les prix sont un peu bizarres quand même, hein. Tu vois, le Hammerhead, il est qu'à 12 millions, là. Ça va peut-être changer aussi par la suite. Ouais, je pense. Hein. Attends, tu mets un Retaliator à 4 millions et tu mets un Hammerhead à 12 millions. Il y a un problème avec les prix. Hein. Et alors, attends, il a quitté le truc. Je voulais voir ce qu'il y avait chez Aegis. Ah bah, on y est, je suis bête. Le Reclaimer, je l'ai vu passer là, il est où? Le Reclaimer est à 15 millions? Ouais, non, les prix ils sont pas définitifs, hein, c'est pas possible. Ça a l'air d'être bien équilibré. Hein. L'Eclipse pendant un temps valait 1 million 4. Ouais, voilà, hein, c'est bien ce qui me semble, hein, les prix ils ont vachement changé. Hein. Mais je pense qu'ils ont baissé les prix pour un peu. Ah oui, je crois qu'ils l'avaient annoncé, ils voulaient un peu inciter les gens, ceux qui essayaient Ouais, voilà, c'est ça. de se faire des trucs in-game, de pouvoir y arriver. Mais bon, enfin, avant de mettre. 1 million d'UEC, les mecs, ça en fait une paire, hein. Soit du minage, soit de la mission, là. Ouf. Entre deux resets, je suis pas sûr que t'aies le temps de les faire. Hein. Tu viens à peine de l'acheter le jour suivant. Hop, allez. Ah ouais, sérieux. Reset. Bon, du coup, est-ce qu'on est parti pour faire notre connerie, nous? Ah ben moi je suis déjà prêt.